en ce nouveau numéro de Willys ici à Nogaro pour cette deuxième étape du championnat de France Superbike. Au programme, on reviendra bien sûr sur tous les résultats du week-end. Dans Superbike, on ira à la rencontre de David Perret, impressionnant pour seulement sa deuxième course dans la discipline en supersport. C'est Louis Bull qui nous embarquera au guidon de sa Yamaha pour une caméra embarquée et nous faire découvrir tous les détails de ce circuit de Nogaro. Et enfin, on terminera ce Willys avec la découverte du sidecar et deux catégories bien distinctes, les F1 et les F2. Willys, c'est parti! Plus de 13 600 spectateurs se sont donné rendez-vous en plein cœur du Gers pour ce week-end de compétition sur un circuit chargé d'histoire. Présentation des 3 km 636 du tracé Paul Armagnac en immersion avec Louis Bull, pilote super sport au guidon de sa Yamaha. Donc là on arrive dans la ligne droite des stands, 4ème vitesse, 5ème vitesse, on va te regarder en 3, à peu près à 200 km/h. Donc là on voit Hugo Clerc et Cédric Tang se chamailler un petit peu. On rentre dans le premier droite, assez serré, en 3ème toujours, 2ème droite en 3ème, on accélère fort, ça glisse un petit peu. Freinage est assez sympa ici parce que c'est beaucoup sur l'angle, donc on n'est pas bien droit. On passe la 2, on tourne, toujours en deuxième, l'épingle est assez serrée, il y a des petites bosses un peu à l'entrée, ça ressort, ça un petit peu sur du dévers, donc c'est un peu glissant. La petite cassure qui passe à fond, 3, 4, 5, 6, donc là la ligne droite elle est super longue, on a le temps de prendre des belles aspies, de profiter. Un gros freinage, donc on passe de 6 en 2, on glisse un petit peu, c'est assez sympa. Faut passer à l'intérieur de la tâche ici parce que sinon ça glisse. 2, 3, on arrive en 3, on met un petit peu à fond, on rentre dans le gauche. Donc là j'étais un petit peu moins bien qu'eux, j'arrivais pas à garder la ligne qu'il fallait. 2, 3, on rentre en 3, là il y a le coude qui touche sur le petit vibreur. On ressort en 3, on tire la vitesse à fond, on freine à la passerelle. Donc là en gros freinage on passe la 2, c'est assez arrêté et le mur est proche, mais on ressort un petit peu en glisse, on monte un petit peu proche du vibreur. 3, on tire la 3ème vitesse, et là les deux virages de la fin qui sont assez sympas, très rapides. Faut bien garder à droite pour repiquer à gauche et là pour un gaz jusque pour recommencer au prochain tour. Et on retrouve le pilote de Chambéry au départ de la course 1, en deuxième position sur la grille, juste derrière Cédric Tangre. Peter Polesso complète la première ligne. Les conditions météo sont idéales, la piste sèche, 17 tours à couvrir pour l'ensemble des pilotes. La Honda d'Hugo Casadesus, 4ème sur la grille, réalise le all shot, rapidement débordé par Cédric Tangre et Louis Bull. Très vite, 4 hommes se détachent en tête, Tangre, Bull, Casadesus et Polesso. La Yamaha d'Hugo Clerc, seulement 20ème à l'extinction des feux, entame sa remontée. Elle se hisse en deuxième position avant un énorme coup dur. Victime d'un embrayage défaillant, Hugo Clerc abandonne. Le numéro 1 Tangre en profite. Derrière, grosse bataille pour la 4ème position entre Casadesus et Tourné. Peter Polesso cravache pour recoller sur la 2ème place de Louis Bull. Sans succès. Victoire et meilleur tour en course pour Tangre devant Bull et Polesso. J'ai pas fait un excellent départ. Peter m'a doublé dans l'escargot, j'étais 4. Bon, j'ai pris mon temps. Je savais que vendredi j'avais un meilleur rythme que les autres sur le sec. Donc j'ai pris mon temps, j'ai doublé petit à petit. Et puis je me suis retrouvé en tête, j'ai essayé de faire le trou, mais j'avais pas un bon feeling. Je pense qu'avec la pluie qu'il y a eu cette nuit hier, il n'y avait pas le même grip que vendredi. Donc j'ai poussé doucement, augmenté le rythme tranquillement. J'ai vu qu'Hugo a fait une erreur. C'était, je pense, le seul qui était capable de me suivre, a priori, sur le rythme de course. Donc, une fois qu'il était plus là, j'ai veillé à augmenter un peu l'écart. Et puis, une fois que j'étais rendu à 3-4 secondes, j'ai arrêté de pousser pour pas commettre d'erreur. Et puis, voilà. Oui, parce que c'est important de grappiller des petits points comme ça. C'est une catégorie qui est super dense depuis le début de saison. Donc, cette victoire, elle va vous faire du bien. Ouais, carrément, ouais. Et puis j'ai besoin de prendre des points parce que je serai malheureusement pas là à la prochaine course à Lénon, puisque j'ai une concurrente de date avec le championnat du monde. Et donc il faut absolument que je prenne un maximum de points ce week-end. Félix Perron remporte le trophée Pirelli devant Clément Stoll et Steven Neumann. Ambiance décontractée pour le poleman de la course de Peter Polesso, Hugo Clerc, revanchard, est en embuscade juste devant le vainqueur de la course 1, Cédric Tangre.
Après avoir signé son premier podium de la saison, Louis Bull s'élance depuis la quatrième ligne en dixième position et réussit un départ sublime. Il gagne 7 places et pointe au troisième rang en premier virage. Hugo Clerc a également parfaitement géré son envol. Il devance Tengre, Bull et Polesso. Le champion en titre Cédric Tengre attaque et réussit à prendre les devants avant un superbe dépassement de Hugo Clerc à l'intérieur. Plus rapide que Louis Bull, Peter Polesso met la pression. Les deux hommes recollent sur le duo de tête. Dans le peloton, Clément Stoll, 7ème au scratch, tente de prendre le meilleur sur Casa dessus. Devant, le mano à mano continue. Entre Tengre et Clerc, la Suzuki numéro 1 reprit la tête. Mais Hugo Clerc est bien trop affamé pour laisser la victoire s'envoler. Le numéro 11 améliore son chrono tour après tour et décroche le meilleur temps de cette manche. À 3 tours de l'arrivée, Cédric Tengre se met à la faute et laisse le champ libre à Pepito. Clerc file vers la victoire. Deuxième succès de la saison pour Hugo Clerc devant Louis Bull et Peter Polesso. Clément Stoll s'impose lui en trophée Pirelli. La course de ce matin avec le problème d'embrayage, j'étais honnêtement, en prenant le départ, j'étais pas très confiant, j'avais vraiment envie de bien faire, au moins pour l'équipe, parce qu'on était vraiment déçus pour ce matin. Et non, je suis très très heureux. En plus, Cédric m'a mis la pression toute la course, c'était dur, mais voilà, j'ai encore montré que je pouvais être là et je serai là pour le championnat, même si ce matin ça m'a passé. Au championnat, la régularité de Peter Polesso lui permet de posséder 8 points d'avance sur Clerc. Bull remonte à la 3ème position, un petit point devant Cédric Tengre. Clément Stoll domine le trophée Pirelli devant Perron et Fréchet. Réservé aux pilotes âgés de 12 à 14 ans, la première course Objectif Grand Prix est marquée par l'absence du 3ème temps Théo Serrière. Le all shot est réalisé par Clément Rouget, Charles Aubry et Amélie Triffet calent au départ. Le jeune Clément Rouget voit revenir dans son aspiration Mathieu Grégorio. Mais à 13 ans, Rouget ne cède pas à la pression. Dans le dernier tour, Grégorio, victime d'un ennui mécanique, doit lever le pied. Rouget s'impose, Quentin Pérez complète le podium. Concentration maximale pour Mathieu Grégorio au départ de la course 2. Le licencié du motoclub Lednon s'envole devant Clément Rouget dans une manche, perturbée par la chute de Quentin Pérez. Le safety car vient stopper les hostilités avant de s'effacer. Mathieu Grégorio ne manque pas le départ lancé et s'envole devant Rouget. Il signe le meilleur temps avant de chuter sans gravité. Rouget s'envole, deuxième succès en deux courses. Théo Serrière décroche son premier podium devant Injula. Je suis très très content. La moto a été super tous les week-ends, sauf cette course où elle n'a pas été super super. Mais voilà, je remercie mes mécaniciens et ma famille. Bon, l'objectif c'est de tout gagner jusqu'à la fin de la saison, c'est ça? Ah bah oui, ça serait le mieux. Super, merci Clément. 12 points d'avance pour Rouget en tête du championnat. Grégorio et Injulia sont deuxième et troisième. Amélie Triffet, seul pilote féminin du plateau, occupe une jolie quatrième place. Une piste détrempée et des conditions difficiles à maîtriser pour la première manche sidecar. Huet et Harifon se portent en tête au premier virage. Leader du championnat, la paire de Lannoy Rousseau se retrouve engluée dans le trafic en quatrième position.
Bruna Zirigondo, son troisième. Le sidecar Suzuki ne dessert pas son étreinte en tête du peloton. Première victoire de la saison pour Jonathan Huette et Sébastien Arifon devant Delannoy Rousseau et Bruna Zirigondo. Il y a un mois, vous aviez cassé l'embrayage, abandon, vous avez plus de joker si vous voulez viser encore le titre, là, faut tout donner. Là, plus d'erreur possible. Là, c'est devant. Dernier petit mot, quand on est breton, c'était forcé de gagner sous ce temps-là, là, sous cette pluie. Ah, je suis obligé de gagner, autrement je vais me faire gronder. À la découverte d'une discipline très appréciée des spectateurs et particulièrement spectaculaire, le sidecar. Deux équipages sont derrière nous pour nous présenter cette compétition, cette épreuve, avec Sébastien Delannoy et Kevin Rousseau, l'équipage messieurs. Sébastien, alors il y a deux catégories bien distinctes dans le sidecar. Quelles sont les différences entre les deux catégories? Alors voilà, bien sûr, le F2, donc l'équipage de filles, c'est châssis court 600 cm3. L'équipage de garçon, c'est châssis long 1000 cm3. Voilà. On va se tourner du côté de l'équipage féminin, Estelle Leblond, Mélanie Farnier. Combien ça développe en termes de puissance, de vitesse, un sidecar comme le vôtre? Alors, tout d'abord, je vais juste préciser que le F2 n'est pas réservé aux filles. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, parce que là, c'est un peu ambigu. Après, là, en vitesse de pointe, nous, la vitesse qu'on l'a plus. L'autre qu'on puisse atteindre, ça va être Touris Trophy. Et on atteint dans les. On est à combien? 230-240 à peu près. Kevin, c'est quoi le rôle d'un copilote? On vous voit souvent à l'arrière du side en train d'essayer de vous coucher, de vous courber pour essayer de prendre la meilleure trajectoire possible. C'est quoi votre rôle à vous? Le rôle principal, ça va être d'apporter de la motricité sur la roue arrière et puis bien sûr que le side reste sur les trois roues le maximum dans les virages à gauche. Aujourd'hui, course très compliquée, énormément de pluie. Est-ce que ça change quelque chose quand vous êtes à deux? Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué à maîtriser un side dans des conditions mouillées comme celle-ci? Pour la pilote, enfin les pilotes, je pense que oui. En plus, bon bah là, on est parti avec des pneus slick, donc ça glissait énormément. Après, nous, au niveau du travail derrière, on a moins de boulot à faire parce que dans les gauches, on va un petit peu moins les prononcer. Mais voilà, oui, c'est. Je pense que ça n'a rien à voir, mais c'est plus après au niveau du pilotage que ça joue surtout. Sébastien, une machine de ce type assez impressionnante, vous mettez combien de temps pour l'entretenir, pour la préparer pour une course, pour la transporter également? Expliquez-nous un petit peu les détails logistiques pour inscrire un sidecar dans cette compétition du championnat de France Superbike. Bah, disons que c'est vrai que c'est beaucoup de préparation. On va dire qu'on roule 30 minutes, c'est en moyenne à peu près 4 heures de mécanique à chaque fois. C'est des machines quand même assez pointues, donc il faut tout regarder, tout inspecter, refaire des réglages pour pouvoir progresser. Après, vous avez donc la condition pluie comme aujourd'hui ou la condition sec. Bon, on a différents réglages, différents pneumatiques, donc c'est beaucoup de préparation avant une course. Donc on part sur, on va dire qu'on a 4-5 heures de travail à effectuer à chaque fois avant une séance d'essai ou de. Merci à tous les quatre et on espère que vous avez apprécié cette discipline ultra spectaculaire et très très appréciée de tous les spectateurs. On l'a encore vu cet après-midi à Nogaro. La piste sèche, les conditions sont optimales pour la course 2 le dimanche, mais comme lors de la première manche, Delannoy Rousseau manque leur départ. Il recolle petit à petit, les leaders du championnat améliorent même le record du circuit, il s'impose devant Mauro Gadet et Bruna Zirigondo. Sébastien, c'est une vraie fierté d'avoir réussi à claquer ce chrono. Eh oui, c'est vrai que depuis 2008, hein, c'est inscrit, c'était en 32-6. Et là, apparemment, une 31-7, c'est vraiment le record absolu. Hein, donc, on est vraiment content. C'était notre objectif du week-end. Donc, voilà, on a bien laissé chauffer les pneus. Et puis après, on a mis ce qu'il fallait pour le faire. Voilà.
Delannoy-Rousseau prennent le large avec 43 points d'avance sur Mauro Gadet. Cossel et Loubez dominent la catégorie F2 avec 22 unités. Dans la catégorie reine, Grégory Leblanc a déjà marqué les esprits avec 2 victoires au Mans. Le triple champion en titre n'est pas aussi dominateur à Nogaro et part 3ème. David Perret s'élance en tête devant David Cheka. Mais Leblanc ne craque pas sous la pression, 3ème sur la grille, il réalise le all shot. Et vire en tête devant David Cheka et David Perret. Kenny Forêt est en embuscade à la 4ème position. Très performant sur le sec, Leblanc accroît son avance. Mais la chute du monégasque Jimmy Massio relance la course. Quelques tours plus tard, le drapeau rouge est agité. Retour au stand pour l'ensemble des pilotes. La course est interrompue pendant 7 minutes. Mais les pilotes Superbike finissent par reprendre le chemin de la piste. Nouveau départ, Grégory Leblanc ne se relâche pas et conserve les commandes. David Cheka tient le rythme dans son sillage. En stock, Baptiste Guittet mène les débats quelques dixièmes devant la grille. Au 10ème tour, Leblanc, Cheka et Perret se détachent. Forêt monte sur la 3ème marche provisoire en dépassant David Perret. Course perturbée mais victoire sans problème pour Grégory Leblanc devant David Cheka et Kenny Forêt. Les pilotes ont de nouveau vu rouge lors du départ de la course 2 suite à un problème de feu de signalisation. Et David Cheka ne cache pas sa colère après avoir réalisé le meilleur départ. Nouvel envol, et cette fois le all shot est signé David Perret devant le local de l'étape, David Muscat et Leblanc. Une nouvelle chute vient hacher cette seconde manche. Axel Hény, Paul Caro et Maxime Baudot partent à la faute. Intervention de la voiture de sécurité qui ne perturbe pas David Perret aux commandes de cette course. Le pilote angevin est rapidement pris en chasse par Grégory Leblanc qui vient de déborder David Muscat. Perret résiste et prend tous les risques avant de céder face à The White Grégory Leblanc, insatiable. Le pilote Kawasaki partait pourtant de la 7ème position. À son tour, Cheka fond sur Perret qui doit s'incliner. À son tour, David Cheka fond sur Perret qui finit par s'incliner. Derrière, on se bagarre pour les places d'honneur. Et en stock, Baptiste Guittet tient la grive à distance. Carton plein pour Grégory Leblanc, 4ème succès de la saison devant Cheka. Premier podium Superbike pour Perret. Ça fait longtemps que j'étais pas parti en 3ème ligne, je crois que là, c'était ma première année de 1000, c'était en 2011, donc ça remonte à loin. Plus trop l'habitude de partir derrière et de doubler le palmec, j'ai plus l'habitude de partir devant. Mais bon voilà, c'était une course compliquée, j'ai fait un bon premier départ et il a fallu tout recommencer parce qu'il y a eu un problème avec les feux pour la direction de course. Mais bon, ça m'a pas déconcentré, à limite je suis même mieux parti sur le deuxième, donc ça m'a limite avantagé. Et Pirelli m'a amené des pneumatiques géniaux on va dire, c'était top. J'avais un bon grip et je suis vite remonté sur la tête, j'ai pris la tête rapidement. Et après j'avais 2 secondes et j'ai géré jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est une super victoire pour l'équipe, pour tout le team Kawasaki SRC. Pour moi ça fait 4 à la suite, on prend le large championnat. Et voilà, c'est week-end parfait. Depuis le début de la saison j'ai fait 4 victoires en Superbike. La victoire aux 24 heures du Mans. Pour moi c'est carton plein, on espère que ça continue le prochain week-end. Je m'appelle David Perret, j'ai 31 ans. J'ai remonté ma structure qui s'appelle le team DPMS sur Yamaha R1.
tenir tête à tous ces pilotes en Superbike qui ont une grosse expérience dans la catégorie. Je suis surpris, mais on tient une bonne moto avec une bonne plage de fonctionnement, donc on peut faire de belles choses. On était plutôt satisfait de notre saison, donc on s'était dit on va peut-être aller chercher le titre en 2016 en super sport, mais on n'a pas eu de gros contacts plus que ça dans le milieu de la moto pour nous aider. Donc j'ai décidé de monter ma propre structure et de partir en championnat de France Superbike pour, dans un premier temps, me battre pour les places d'honneur jusqu'à la cinquième place. Moi, je veux à tout prix gagner, je suis là pour ça, mais je me mets quand même dans la tête que mes concurrents sont très très forts, ils ont beaucoup d'expérience et je pourrais que prendre de l'expérience après chaque course. Pour son deuxième week-end en Superbike, David Perret impressionne. Première pole, premier meilleur tour en course et premier podium. Le transfuge du Supersport se positionne comme un des favoris, bien épaulé par sa sœur jumelle. La moto chez les Perret, c'est un sport de famille. Nathalie, t'accompagnes David tous les week-ends. C'est quoi ton rôle auprès de lui ? Bah écoute, on peut pas dire que je sois d'une grande aide, hein. Je suis pas beaucoup utile, c'est plus par plaisir et pour accompagner mon frère et parce que j'aime beaucoup la moto. C'est plus le plaisir d'être là, voilà. Mais on te sent quand même stressé, ah oui, beaucoup, avec le petit chrono sur le muret. Énormément, j'ai beaucoup de mal à gérer mon stress, surtout le dimanche pour les courses. J'essaye de me contenir, mais c'est quand même un peu compliqué. Bon, maintenant, il me connaît, je fais les 100 pas, etc. J'essaye de pas trop le faire voir dans le box avant les courses, mais c'est compliqué. David, c'est toujours plaisant d'avoir ta sœur à tes côtés, ça te rassure peut-être ? Oui, bah, tout à fait, on a un team familial, donc c'est vrai que la famille est là, donc c'est le principal. Et puis bon, moi, ça me fait même. Je ne regarde même plus dans ses gestes et ses mimiques qu'elle fait, mais c'est toujours sympa d'être à mes côtés. Quoi. Bon, premier podium de la saison, c'est assez inespéré. Qui est le plus content ? Ah, moi, je suis super heureuse, super fière de lui, parce que c'est vrai que cet hiver, quand il a décidé de partir en superbike, bon, bah voilà quoi, c'était un peu l'énigme, quoi. On savait pas trop où on allait, on n'avait pas vraiment d'objectif précis. Et puis bah, il a fait des essais hivernaux qui se sont très bien passés. Il était, on va dire, pour une fois assez vite dans le bain, il s'est vite adapté. Et puis bah, au Mans, là le samedi matin, quand on voit P2, bah, là c'était l'apothéose. Là, on était vraiment contents et voilà, très très contente pour lui. Le travail paye et il se donne beaucoup, il s'investit beaucoup et voilà, c'est très très content. David, le travail paye. Oui, bien sûr, on est tous ravis. Puis c'est vrai que bon, j'ai quand même vraiment bossé dur cet hiver pour me mettre dedans, même physiquement et puis sur la moto, donc on est super heureux. Grâce à ce podium, David Perret remonte à la 5ème place. Grégory Leblanc écrase la concurrence avec 40 points d'avance sur David Checa. En stock, Mathieu Lagriffe devance Baptiste Guittet. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long du week-end ici à Nogaro. Nous, on se retrouve le 27 mai prochain pour la 3ème manche du championnat. Ça aura lieu dans le Gard. Allez, des noms. Allez, on se quitte en musique. Bye bye.